Quelle est la meilleure stratégie à mettre en place en début d'année 2023 pour faire exploser ton business de marketing ou de marketing relationnel? C'est une question qu'on m'a posée. Florent, qu'est-ce que tu ferais toi en 2023 pour changer complètement la donne, pour avoir des résultats importants? Et c'est une question qui est assez difficile parce que souvent vous voulez vous rechercher une solution miracle, une solution qui, hop, je vais faire un truc, je vais bosser 2 heures et boum, je vais avoir des résultats de fou. Je vais essayer de te répondre un maximum à cette question. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Florent Pouvreau. Sur cette chaîne, je t'aide à monter un business minimaliste qui va te faire suffisamment d'argent pour bien vivre, mais surtout pour investir. Parce que tu t'enrichis avec l'investissement. C'est pas ton business en ligne qui va te rendre riche, même si tu gagnes 10 000 euros par mois. C'est pas avec 10 000 euros par mois que tu vas devenir multimillionnaire. Par contre, en faisant des investissements sur un cours, sur suffisamment long terme, là, tu réussiras à avoir un très très beau patrimoine et tu n'auras plus jamais à te poser de questions sur l'argent. Du coup, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Moments. La méthode Moments, pourquoi Moments? Parce que Moments, c'est la force qui te permet de passer, commencer à aller en rotation. En fait, si tu veux, le principe même d'un business en ligne et des investissements, c'est des cercles comme ça. C'est j'ai un business en ligne qui fait du chiffre d'affaires, j'investis suffisamment pour avoir plein d'argent, je réinvestis de l'argent à l'intérieur de mon business, etc., etc. Et donc, en fait, tu as plein de moments de vie et moments de business qui font que tu réussis ou non à t'enrichir. Alors, quelle est la meilleure solution pour faire exploser tes résultats en 2023? La première chose, en fait, faut comprendre que si tu veux exploser tes résultats, il va te falloir une audience. Il va falloir que tu sois extrêmement visible. Il va falloir que tu aies beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Encore une fois, je te conseille de commencer par une chaîne YouTube. Mais avant ça, il va falloir que tu définisses qui tu es. Quels sont tes projets de vie? Pourquoi tu as envie de gagner de l'argent? Si par exemple, tu as envie de gagner de l'argent parce que tu as envie de faire un tour du monde à la voile ou parce que tu as envie de te poser dans un pays en Amérique latine et tu as envie d'avoir une belle maison, il va falloir que tu te poses cette question-là. Pourquoi? Parce que tu vas parler à une audience qui veut faire exactement la même chose que toi. Donc, si par exemple, ton objectif, c'est à 40 ans, 45 ans, prendre ta retraite ou alors parce que tu as une famille, parce que tu as des enfants et tu veux avoir plus de temps à vivre avec eux, tu vas te créer une audience où tu vas raconter ta stratégie pour atteindre exactement cet objectif-là. C'est la meilleure solution à faire. Pourquoi? Parce que tu sais de quoi tu parles puisque tu le vis au quotidien et donc tes vidéos vont sonner vraies. Si tu es une femme qui est à domicile avec ses enfants et qui veut faire un chiffre d'affaires, tu veux te monter un business pour travailler à domicile, raconte ton histoire, raconte tes résultats, etc. Tu vas avoir des résultats parce que tu racontes tes difficultés et tu as des gens qui vont se reconnaître à l'intérieur de toi. Ta cible, ta meilleure audience, c'est toi au moment où tu as pris ta décision de commencer. C'est-à-dire que tu vas attirer les gens qui sont exactement comme toi quand toi, tu as décidé de commencer à te lancer. Et tu vas te poser les questions. Quelles étaient les questions que je me posais? Quelles étaient les peurs que j'avais? Quelles étaient les difficultés que j'avais? Par exemple, si à l'époque tu travaillais trop, t'avais pas de temps, bah tu vas leur raconter comment faire pour se libérer du temps avec ses enfants, par exemple, etc. Et tu vas commencer à faire des vidéos. C'est extrêmement important de mettre en place ensuite une stratégie de contenu. Qu'est-ce que c'est une stratégie de contenu? Une stratégie de contenu, c'est toutes les vidéos que tu as envie de faire pour l'année. Sur YouTube, tu vas faire au minimum 2 vidéos par semaine. Je vais pas t'expliquer pourquoi, fais-moi confiance, je fais ça sur toutes mes chaînes YouTube, ça fonctionne et j'ai beaucoup de chaînes YouTube, d'accord? 2 vidéos par semaine. Comment tu vas monter 2 vidéos par semaine? Bah, je te conseille de prendre 1 heure dans la semaine et de te mettre devant ton téléphone. Tu peux acheter un micro-cravate comme ça tu vois, c'est un petit micro-cravate comme ça. Si ça, je vais rester à le zoomer. Non, il veut pas le prendre. Bon, c'est pas grave. C'est une petite cravate comme ça. Ça, je trouve sur Amazon. Celui-là, c'est un Boya, B-O-Y-A. Tu te mets devant ta caméra. Essaye de trouver un petit trépied aussi, un petit pied. Boum, tu poses ton téléphone et tu fais tes vidéos. Tes vidéos seront pourries au démarrage. C'est pas grave. Fais des vidéos. Continue à faire 2 vidéos par semaine. Ça va aider YouTube à comprendre
quel type de contenu tu fais. Et ça va t'entraîner aussi. Ne fais pas de script. Parle des sujets. Comment tu vas trouver les sujets? Comment tu vas trouver les problématiques? Rappelle-toi ce que tu vivais à l'époque. Dis-toi, quels étaient les sujets que je me posais? Alors, souvent, tu te posais les questions, par exemple, comment monter un business en ligne? Comment faire de l'argent sur Internet? Comment travailler à domicile? Etc., etc. Tu te posais ces questions. Comment faire un complément de revenu? Une meilleure solution pour trouver un complément de revenu, etc. Et raconte ce que toi, t'as décidé. Pourquoi t'as pris ces décisions? Pourquoi t'es en train de suivre mes formations, par exemple? Pourquoi t'es peut-être dans l'équipe Diamond Team? Pourquoi t'as fait du marketing de réseau? Ou pourquoi t'as lancé décidé de lancer des formations en ligne? Raconte les choses. Une sorte de vlog de on va faire les choses ensemble. Tu vois, je suis dans l'aventure. Je veux atteindre ma liberté financière pour faire un tour du monde ou pour passer plus de temps avec mes enfants et je t'explique comment je fais. Les difficultés que j'ai. Et ça peut être une vidéo juste les 5 pires erreurs que j'ai fait au démarrage, etc. Tu vas faire ces vidéos. Et au fur et à mesure, en fait, au bout d'un an, avec 2 vidéos, tu auras 100 vidéos sur ta chaîne YouTube. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre une partie de ces vidéos, les couper sur des petites... Donc, tu prends ta vidéo, tu coupes la vidéo en petits morceaux et tu les mets sur TikTok et sur Instagram en Reels. Et du coup, on va commencer à te voir partout. Tu vas ainsi te créer une marque personnelle. Je te conseille d'amplifier ta marque personnelle en te donnant un nom spécifique. Par exemple, Max, c'est le docteur, Max, mon associé, c'est le docteur MLM. Tu peux être la daronne du MLM. On en discutait et on rigolait hier avec une vidéo sur ça. Tu peux... Ce qui est important, c'est de te trouver un nom. Moi, c'est La Forge. La Forge, c'est un accompagnement que j'ai créé via la semaine du changement, etc. Mais La Forge, en fait, c'est l'idée, c'est de te forger ton futur. Donc, la chaîne YouTube s'appelle La Forge. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur nom que j'ai trouvé, mais c'est pas très grave. Sur ma chaîne brésilienne, par exemple, j'ai une chaîne qui s'appelle Le Secret des Hommes et j'explique quels sont les secrets des hommes dans la séduction. Donc, tu vois, j'ai pensé à un petit truc et je savais que j'allais attirer des femmes qui voulaient savoir comment les hommes pensaient. Donc, j'ai appelé Le Secret des Hommes. Pense à un petit nom comme ça. Commence à te créer ta marque. Fais des vidéos 2 fois par semaine. Ne te prends pas trop de temps et la tête à faire des montages. C'est pas du tout utile. Tu vois, moi, dans ma vidéo, je tousse, etc. Je pourrais couper. Peut-être qu'en plus, ça fait un petit peu. Mais j'ai pas le temps. Moi, l'objectif, c'est de donner du contenu. Il y a des personnes qui vont arrêter de regarder mes vidéos parce que je tousse dans mes vidéos. C'est pas ma cible. J'en veux pas. S'ils ont mal aux oreilles parce que je tousse, et maintenant, plus pour eux. Et au fur et à mesure, comme ça, tu vas te créer ta vision, ton audience, si tu vas avoir des gens qui vont commencer à te suivre. Donc, tu fais des vidéos, tu fais 2 vidéos par semaine, tu coupes ces vidéos, tu mets 2 vidéos sur TikTok par semaine, 2 vidéos sur Instagram en Reels par semaine, tu te trouves un nom un peu sympa, tu trouves des couleurs pour faire en sorte qu'on te reconnaisse bien. Si tu veux te mettre un chapeau, c'est mieux. Si tu veux te mettre un truc différenciant, voilà, plus t'es différenciant, plus on peut t'identifier sur Internet et plus tu vas aller vite à te faire reconnaître. Tu peux t'habiller en manga sur tes vidéos, tu peux être une blonde, tu peux être un tout tatoué, etc. Peu importe, mais essaie de trouver un petit truc différenciant. Tu peux être le par exemple, il y a une chaîne brésilienne, mais qui s'appelle Le Cousin Riche, d'accord? Et en fait, tiens, on a toujours ce truc, il y a l'oncle riche ou le cousin riche qui te donne des conseils. Bah, en fait, il a dit, ok, je vais créer une chaîne YouTube, Le Cousin Riche qui te donne des conseils financiers. Et aujourd'hui, sa chaîne YouTube, elle a 3 millions d'abonnés en 5 ans. Tu vois, ça fonctionne. Si tu te mets aujourd'hui à te créer ton audience, pour moi, c'est le meilleur plan que tu peux faire. Tu vas avoir énormément de personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Alors, peu importe si tu as un business en ligne, peu importe si tu as un groupe Facebook gratuit, peu importe si tu fais du marketing relationnel, le fait d'être extrêmement visible et de donner des conseils aux gens va t'attirer beaucoup de personnes et ils voudront travailler avec toi. Ils voudront avoir un accès à toi. Et donc, du coup, ils rentreront automatiquement dans ta communauté. Mets en place les choses maintenant. Arrête de procrastiner. Si tu avais commencé ton audience le jour où tu as commencé ton business, si tu avais arrêté de te croire qu'il y a des méthodes miracles, mais si tu avais commencé à travailler pour de vrai sur ton audience, aujourd'hui, tu serais pas en train de regarder cette vidéo-là parce que tu auras énormément de business. Alors, on commence aujourd'hui, arrête de procrastiner, arrête de remettre ça le lendemain parce que tu sais que c'est la solution. Il y a que
ça qui fonctionne aujourd'hui en 2023. Tu feras de la pub quand tu connaîtras ton audience. Oui, la pub va accélérer considérablement ton business. Mais tu sais pas quoi leur dire. Donc ça arrête de croire ces vidéos qui disent qu'avec de la pub, tu vas faire des millions. Tu vas faire de la pub, tu vas dépenser des millions, tu feras rien parce que tu sais pas quoi dire à ton audience puisque tu l'as pas créé encore ton audience, t'as pas de communauté. Je te souhaite énormément de succès. Va voir la méthode Moments juste en dessous et laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Même si c'est juste une phrase, même si c'est juste un smiley, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Ça va aider YouTube à comprendre que cette vidéo t'a aidé, ou t'as pas aidé d'ailleurs. Si tu mets un commentaire négatif parce que t'es pas d'accord avec quelque chose, laisse-le moi aussi en commentaire. Ça m'aidera à comprendre ce que je peux améliorer sur ma vidéo. Ciao, ciao, je te souhaite beaucoup de succès. Je te vois dans la prochaine vidéo.